Salut tout le monde, c'est Yano Pepo et on se retrouve pour cette 15e partie de Until Dawn. Je joue depuis ce matin. Je suis en train d'enchaîner le jeu. Alors, grimper. Allez, vas-y. Hop là. Allez, Sam, c'est pas le moment de mourir maintenant. Oui. Hop là, contourner. Peut-être plus prudent. Oula, oula, ouh, on a eu chaud. Oula, oula. Ah, ça va, bon rythme. Hop là, triangle, carré, c'est bon. Ouf, on a eu du bol. On a eu du bol. Allez, on continue. On a deux chemins qui s'offrent à nous. Qu'est-ce qu'on fait? On descend, voilà. Allez, voilà. Et on aurait peut-être pas dû aller là. Ah, mais ça rejoint le même chemin. Non, si. Je sais pas du tout. Vas-y, on va vers là. Finalement. C'est vrai que. Vu que je fais pas de pause depuis. Je vais quand même boire un coup. Parce que j'enchaîne les vidéos en fait. Hein. Voilà. Faut dire, il rend accro ce jeu. Oula, oula, oula. Eh ben, en fait, j'espère que je vais réussir à dormir moi ce soir. Purée, il est 23h là. Y a peut-être un totem que j'ai loupé, non? Attends, j'ai juste retourné en arrière. Se regarder, est-ce qu'il y avait un totem? Ou pas. Non, c'est vraiment un autre chemin, l'autre là. Bon bah, ok. On peut accélérer le pas? Yes. Pardon. Éternué. J'espère que j'ai assez éloigné le micro, comme ça vous a pas dérangé. Ouh là là, il y a des bêtes pas loin. Hein. Ah, truc qui brille là-bas. Serait-ce un petit... Ah non, je pensais que c'était un totem. Un peu déçu là, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas grave. C'est dégueulasse, hein. Eh ouais, je sais. De la bonne eau froide comme on aime. Putain, j'espère qu'il n'y en a pas un dans l'eau là qui m'attend. Elle nage? Voilà. Putain. Il sort de l'eau. Puis comme il fait froid là, tu peux choper la crève. C'est bien fait, hein. Franchement, les graphismes et tout. J'ai hâte de voir les prochains jeux s'ils sont encore plus beaux. Bah oui, elle est morte de fatigue. Et je sais pas si vous en rendez compte, hein, mais ils cavalent toute la nuit. Soit arrivé à quelle heure déjà? 20h ou je sais plus quoi. Ça fait plus de 6 heures que tout le monde cavale. Oh putain. Il y en a un là. Course poursuite de nouveau. Il n'y a que des courses poursuites dans ce jeu, hein, c'est fou. Il n'y a pas déjà quelqu'un qui est passé par là avant? Regarde devant toi. Oula.
Mais non, mais il y a personne. Il y a personne. Les gars, merde, vous êtes là. Il y a personne. T'as pas compris? Sam. Merde, Mike. Oh putain, t'as une sale gueule. Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Hop là. Je suis tous devenir cinglé à la fin. Mike, il lui est arrivé quoi à Josh? Oh. Il l'a eu. Merde, y a pas plus atroce comme mort. Ça craint. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. Quelqu'un? Mais qui? Matt? Bah non, ça m'étonnerait que Matt... Pauvre Matt, il était même pas au courant lui, oh putain. Oh le pauvre. Il était pas préparé, il a été envoyé direct sur le champ de bataille. Oh putain. C'est vrai que Matt et Sam, c'est vraiment les meilleurs. À ton avis, quelles sont nos chances de surveiller? J'essaie de pas trop y penser. Et il ferme. Putain, je pensais qu'on était tranquille là. J'étais en mode relax là. Ne bouge pas, c'est bon, je lâche la manette. Bouge pas un putain d'orteil. T'as les salauds, c'est long. Ouais, ils se voient entre eux. What the fuck? What? Oh putain, c'est comme ça qu'on va cramer la maison. Qu'est-ce que tu veux faire, mec? Oh mec, t'as une idée de merde là, je le sens. Ils sont roulés une pelle. What? Ils s'attaquent entre eux, vraiment? On est vraiment à la fin du jeu là en fait hein. C'est quoi ça? Courir vers l'interrupteur, sauver la vie de Mike. Sauver Mike. Putain, c'était chaud ça.
Heureusement qu'ils font pas de screamer en plus. Vas-y, on va encore se cacher. Un petit dernier, je pense. Yes, 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 Mike. Putain, et ça me coupe carrément la respiration. Mange tes morts. Niquez toute votre famille. Oh là 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 là. Oh, c'était chaud. On a réussi la prophétie. Et en plus c'est l'aube. Putain, on a survécu. Oh, on a survécu. Oh putain, quelle journée. On a réussi. Oh putain, ce jeu. On a réussi. Merde. Oh, que le jeu est fini là. On revoit toutes les morts. Conne. Elle aurait pu survivre en vrai. Oh putain, c'était chaud ce jeu. Quel jeu, sans déconner. Ah ouais, pendant quoi? Pendant... 6, 8, 9, 10, pendant plus de 10 heures. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. Mais combien de survivants, en fait? J'étais faible. Donc 2, 3... Il voulait nous faire du mal. Et... J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. 4. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Et j'ai cru. Et j'ai cru qu'on était proches. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. Où est Matt? 5. Est-ce qu'il va non bien? Ah non, bah non, 4. J'ai fini d'examiner. Je suis un peu inquiète parce que... Je veux dire, je suis sa copine. Est-ce qu'il vous l'a dit? Enfin, il m'en a peut-être un peu voulu. Oh non, ils ont quand même pas été mis dans des hôpitaux, non? Ah non, la police, c'est bon. Il vous l'a dit, ça, non? J'ai pas été assez rapide. Il s'en est fallu d'un cheveu. Si j'avais pu aller... juste un peu plus vite... J'aurais pu la sauver. L'effet papillon, hein. J'aurais pu l'aider. Putain, c'était génial ce jeu, sans déconner. Donc c'est ma faute. C'est ma faute, il y a assez morte. Écoutez-moi bien. J'ai envie de refaire le jeu. Il est trop bien ce jeu. Vous devez descendre dans les mines. Vous y cherchez quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Tu m'étonnes. On a terminé. C'était une belle aventure. C'est la première fois que je fais, comment dire, un jeu du début à la fin avec vous.
mais d'une traite comme ça. Franchement, belle expérience, hein. J'espère que c'est un plaisir partagé. Qu'est-ce que c'était bien. Oh là là. Les objets à collectionner. Intéressant. Putain, on avait encore des trucs, hein. En gros, c'est-à-dire si on aurait refait le jeu en fonction de nos... En fait, c'est fait pour qu'on refasse le jeu, je pense. Pour qu'on découvre d'autres fins ou... Je pense un jour, on se refera le jeu. Et on essaiera de choisir des trucs différents. Mais pas tout de suite. Parce que je vais pas remettre le même jeu sur ma chaîne deux fois, quoi. Mais je pense que ça peut vous plaire aussi à vous de voir quel autre choix... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à faire, quoi. Mais bon, en tout cas, le prochain jeu, normalement, je vous le dis, c'est dans la même, du même studio. Il s'agit de Man of Medan. Et j'ai hâte. Oh là là, j'ai hâte. Là, il est quoi? Il est quoi? 23h05, tout pile, nickel. Ah là là, on a eu des bons trucs. C'est totem. Ah, intéressant ça. Sam s'est échappé, Mike s'est échappé. Ashley est morte dans la mine. Chris est mort avant de pouvoir revenir au chalet. Lui aussi, lui j'aurais pu le sauver. Ashley j'aurais pu sauver. En fait il y en a deux où franchement mort complètement con quoi. C'est dommage. Il a survécu jusqu'à l'aube. On va juste voir un petit peu ça. Vaincre. Quelques temps plus tard, des prospecteurs sont... Jusqu'à ce qu'un éboulement coin... Et ils perdirent la tête. Ah ouais, meurtrier. C'est devenu fou, quoi. Et après plusieurs... Sable, hors de ma portée. Jusqu'à cette nuit, il y a un an... Le fameux J'avais mec avec le lance-flamme. Nous n'étions pas seuls dans la forêt ce soir-là. Je ne pouvais pas sauver vous. Sauver vos amis. On sait, on sait, on sait. On avait pas mal des trucs là. Quoi ça, contenu bonus? Rencontre avec l'équipe. Créer une scène. La science de la peur. Pas mal. Attends, on va juste regarder un peu. Rencontre avec l'équipe. Voilà, j'avais dit, la fameuse actrice. C'est un bon acteur. Hein. Il a classe, lui. So Until Dawn is the story of eight teenagers who revisit this cabin in the woods about a year later. Rami Malek. C'est un putain de bon acteur lui. I've lost two of my sisters, so I'm trying to get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters. And I think for just the story in general, it's le casting, il est bon. Hein. Ça qui est ouf, c'est qu'ils ont pris des vrais acteurs. Definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good.
Sam and I have a few things in common, such as... Oh, vous savez quoi? On se fera peut-être une fois une vidéo comme ça. On va juste regarder la prochaine fois le contenu bonus ensemble. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de faire une vidéo comme ça? Je sais pas. Ça fait vidéo réaction en vrai, mais bon. On verra. Au pire, je filmerai. Si jamais c'est nul, mais je le mets pas sur YouTube. Et puis voilà, c'est vite réglé quoi. Bref, bah du coup, on est à la fin. Hein. Ah là là, j'arrive pas à y croire qu'on ait fini le jeu. Je pensais pas que j'allais réussir à finir aujourd'hui. Ah, oh, putain, j'ai mal au dos, abusé. Oh là 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 là. Ouf. Bon, bah du coup, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci d'avoir suivi cette série avec moi. Si vous l'avez suivi du début à la fin, bah doublement merci. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Du coup, un avis définitif concernant ce jeu. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Franchement, moi j'ai kiffé. Si vous avez hâte aussi du prochain jeu, Man of Medan, il paraît qu'il est encore plus flippant. Voilà. Après, celui-là, c'était pas qu'il était flippant, c'est surtout qu'il était... Comment dire? C'est au niveau de la surprise, les screamers et tout, c'était franchement bon jeu. Franchement, rien à redire. Super jeu. Franchement, j'ai kiffé. Et comme dit, ce qui est bien, c'est que le fait de qu'il y ait plusieurs fins, plusieurs scénarios, en fonction de ce que tu fais, ce que tu choisis de faire, pas faire, bah c'est comme si tu avais plusieurs jeux en un, quoi. J'adore les jeux comme ça. Bah du coup, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, activer la petite cloche pour avoir les notifications, comme ça vous saurez quand est-ce que je sors une vidéo. Voilà, vous aurez la notification. J'en sors assez régulièrement, voilà. Bah du coup, encore merci à vous et bonne continuation.